ça très très bien comme journée porte ouverte parce que ça permet de voir vraiment tout ce dont on entend parler à la radio, à la télé, sur internet. Et en fait, on n'a pas forcément l'habitude de s'en rendre compte de nous-mêmes et de pouvoir se rendre acteur en fait de ce qu'on entend. Superbe. C'est intéressant, je crois que c'est à renouveler parce que ça permet justement de faire connaître les Ripper Café et les autres ateliers qui sont aussi intéressants. Vraiment adapté à toute la famille, il y avait pas mal d'ateliers, c'était vraiment très très ludique, très pédagogique. C'est ludique, aussi bien pour les parents que pour les enfants. En même temps, ça nous permet d'affiner parfois nos connaissances, on croit savoir, et puis finalement, on fait des erreurs dans le tri aussi de nos déchets. L'espace pédagogique est bien conçu, il y a pas mal d'outils mis à leur disposition, les personnes présentes sont compétentes pour expliquer le fonctionnement des divers process et globalement je trouve que c'est une réussite qui sera porteur pour la nouvelle génération. On apprend beaucoup de choses. On découvre vraiment le monde du déchet. Aussi, on apprend des astuces pour faire du zéro déchet, notamment faire nos produits ménagers nous-mêmes. Je trouve que c'est super génial pour celui. Même les enfants, ils apprennent pas mal de choses au niveau zéro déchet, atelier couture, atelier cosmétique et tout, c'est bien. On apprend des choses qu'on ne savait pas faire avant en fait.